Et salut à tous, on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite des aventures de Hollow Knight. Salut Zout. Alors, on en était où? On en était où? On en était où? Tac, 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 ok. Il y avait l'histoire des rêveurs là, juste là. Le village lointain. On peut aller au village lointain, par curiosité. C'est quoi ça? Ok, on a récupéré. Je sais plus comment ça s'appelle. Une essence. Alors, c'est ici. Alors, c'est la station. Non, merde. C'est la station du roi, je m'en rappelle plus. Non, la grande, merci. Ça s'appelle comment ça? Village lointain, le nid profond, village lointain. Village lointain. Bon, on va essayer d'aller trouver le second rêveur. Sachant qu'on a déjà plus ou moins visité la zone. Donc, on arrive en terrain plus ou moins conquis. Alors, soi-disant, il est là-dedans. Mais la question, c'est où là-dedans? Ouh! Oups. Je t'en mets comme une daube. Par curiosité, il y a un passage là. Juste voir un peu où ça mène avant. Ok. Allez, dégage. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est pas le rêveur ça? Si, si, il a la tête du rêveur. Aïe. Aïe, Ah, j'aime pas les gros trucs là comme ça, c'est chiant ça. Oh putain, plus c'est mal. On se fait défoncer. Ah. Oh. Je peux pas revenir ici là. Ouais, c'est pas grave. Allez. Merci. Il est pété, c'est pour ça que je peux pas enregistrer avant. Alors là, ah, il faut passer par en dessous là, il y a des choses à faire. Oh, on tombe! Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu, sinon on aurait eu mal depuis longtemps. Est-ce que si je repasse par là, on revoit la tête de l'autre là? Nargue. Aïe, un peu plus de. Comment on fait pour les éliminer? Allez, meurs! Ah, il est trop chaud lui! Ah, un peu plus de lui. En plus, toujours dans des endroits bien fermés là, bien bloqués, où tu es obligé de te faire défoncer la gueule.
pas moyen de se regarder à un endroit plus près là? Non? Ça m'aurait étonné. Voilà, avant de tomber. S'il vous plaît, ne soyez pas timide. Il y a bien quelques méchants dans le coin, mais je n'en suis pas une. Je suis une amie de tous et heureux de servir un voyageur aussi audacieux que vous. Recherchez-vous des infos, cela je peux vous en fournir. Ce village juste au-dessus d'ici est la maison d'une triste créature. Son histoire est celle d'un échange tragique. Cela lui en a coûté très cher ainsi qu'à son peuple, même si je soupçonne qu'elle n'a aucun regret pour l'avoir fait. Je sais, vous êtes intrigué, vous voulez connaître le reste de l'histoire, eh bien j'en suis désolé, j'aimerais la raconter, mais je suis vraiment désolé, je n'ai rien mangé depuis un certain temps. Oh! C'est comme ça. Ça m'évitera de me faire défoncer la gueule du fou par l'autre. Ah! Allez, dégage pas le temps, toi. Toute notre vie, parfait. Ici, ça mène où ça? Par là. Et maintenant, putain, il y a un chemin par là qui passe par derrière, j'ai l'impression. On n'est pas allé là. Non, je suis pas sûr. C'est quoi? Je comprends plus rien cette route, moi. On va passer par là. On va passer par ici, là. On va voir où ça mène avant. Je n'ai pas besoin de me le refaire 10 fois, là, cet endroit, parce que ça me gonfler. Alors, attention à la chute. Ok, parfait. Clac. Non, merde. Chaque fois, je fais toujours ça. 1, 2, 3. Ok. Et là, je me trompe de bouton. C'est pas ça que je veux faire. 1, 2. Ok. 1, 2. Voilà, ça que je veux faire. Ah, mais on revient là-haut là? Putain, d'accord, on est revenu au début quoi. Putain, on va aller visiter là-dedans là, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a la tête de truc là. D'accord, on voit donc pas mal de créatures qui ont été prises dans des pièges de soie d'araignée là, les pauvres. Donc il y a une autre boule là de pareil. Il doit y avoir un boss à un moment donné là, non? Par là, non? D'accord, ok. On va s'amuser avec les têtes des mecs, quoi. Original, hein? Putain, il y a un passage là. Oh merde!
D'accord, ok, il y avait un truc là. Cool. Ok. Parce qu'il fallait savoir qu'il y avait un truc là-haut. Ah! On ne s'est pas allé là. Non, 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 du gros truc là, c'est la pierre qu'ils ont lancé. C'était merde là. Ça là, ah, ça fait plus petit là. Ouais, j'y arrive, mais je me fais défoncer quand même. Hein. Ok. Un rêveur endormi étendu sur le socle en pierre. Ah, mais on va te réveiller, mon ami. Allez, on récupère son énergie. Et on a du coup brisé le second masque du temple de l'œuf noir. Du coup, il en manquera une. Et par contre, la créature derrière, là, on ne sait pas trop où elle est, là. D'accord. Il est encore là, lui. On avait dû aller, là, je pense. On avait dû aller, parce qu'on avait dû libérer un genre de vermisseau, là. Bah, qu'est-ce que c'est cette zone là, non? Il n'y a pas d'ennemis là, et c'est quoi du coup là le racontard là? Celui qui voulait nous bouffer là. On va où là? Non, dégage pas. Pas intérêt à avoir peur des araignées, je vous le dis les gars. Alors, pas par là. Oh, c'est une dédale le bordel. Ouais, tu reviens, tu repars, tu me fais quoi là? D'accord, ok. Parti au moteur. Ah, d'accord, ok. Allez, dégage. Ah, je t'avais pas vu, toi, que je suis derrière l'œuf, là. Alors, pas bon style, les gars. Je veux sortir. Non, mais. Pourquoi il recule lui? Ah, t'es trop rapide mec. Ouais, faut y aller vraiment dans la... Ah, on va soigner. Bon, j'aurais une taillade là, si possible. Qu'est-ce qu'il y avait en bas là? Ça fait retombe? Ouais.
sérieux? Oh! Voilà, c'est là où on était. Peut-être on va se tailler par là. On va se tailler par là où on était monté, hein. On va se tailler par là, hein. On va pas chercher midi à 14h, hein. Du coup, on saura pas trop le truc a été nous bouffer là. Ouais, y a plus la tête du bordel là. Ah, par contre, on voit qu'il y a un chemin là que j'ai pas visité là en haut là qui monte. Je sais pas où ça va ça. Donc normalement, c'est par ici. Ici là. Clac clac. Là, il faut aller tout droit par là. Oh là, zone de merde. Ah non, la chute. Et non, putain. Ah ouais, les zones comme ça là, toutes serrées. Ah, c'est compliqué là. Et non. Va tuer l'insecte à côté. Voilà, c'est bon. Il y a une merde en moins. Ok. Par là, il faut. Continuer ici. Ici. Pour l'instant, on a l'air d'être bon là. Hein. S'il y avait un peu des ennemis, ça serait bien. Ça me permettrait voilà, de me soigner un peu. Et ouais, c'est là que je suis pas allé là. Je suis pas allé là, tiens. Allez, venez les gars. Venez, ça m'arrange. Voilà, faites-vous plaisir, au moins moi je me soigne. Et je peux y aller sur et après. Donc là on peut pas y aller. Allez, dégage toi aussi. Aïe, c'est quoi qui m'a touché? Ah putain, il y a des. Ok, d'accord. Oh, les zones de merde. Putain. Ok. Aïe. Heureusement qu'il faut me soigner, hein, parce que sinon, on aurait été mal. Alors là, je peux pas passer. Et ouais. Les araignées comme ça, j'aime bien. Elles sont pas très balèzes, pas très fortes. Par ici. 1, 2, 3, dégage.
par ici. Là, là, parce que là, 1, 2, 3, et merde, je me suis trompé de touche. Roule. Ah merde! Eric, je te mets, non? Qu'il y avait un chemin, mais c'était bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est qu'il n'y en a pas, donc pas besoin de s'emmerder 2 heures. Mais rien de plus. Par ici. Ah! C'est quoi ça? Oh! Le faiseur de masque. Est-ce un masque ou un visage que porte la créature? Dans l'honneur, cela peut être une chose difficile de pouvoir faire la différence. C'est une chose merveilleuse d'avoir un visage, pas une chose avec laquelle nous sommes tous bénis. Pour ce royaume sans visage, je fournirai. Un masque, un visage, en a-t-il besoin? Ne veut-il pas pour définir, pour concentrer, pour exister? D'accord, mais c'est bien, mais tu sers à quoi? Oula! Tu n'as plus envie de sauter, non? Aïe, Là, tu es en train de me dire que je suis en train de me faire. Que je vais devoir me faire. Un sens inverse. Ah, il faudra que je me fasse. Marche arrière maintenant. Il n'y a pas un endroit là pour redescendre rapidement? Non? T'as pas eu envie, j'imagine. Oh, je vais me le prendre dans la gueule. Aïe, Eh merde, on n'est pas là. Il s'est défoncé tout seul son truc là. Alors, là du coup, on peut retomber par là. Non, 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 taille-toi. Taille-toi. Oh! Que bébé! Oh non, c'est une blague. Ah, j'en peux plus de. C'est même pas là en plus. Alors, par ici et par là. Ok. Oh, toi dégage, calme-toi mon ami. Eh merde! Alors, clac, 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 clac.
Non, moi je veux aller là-bas. Un ennemi, je suis là, je te tue. Comment on fait pour aller tout en bas là? Par là? Ah ben oui, merde, j'ai pas eu un chemin là. Oh, pur jeu! Faut arrêter là, hein, au bout d'un moment. Alors, la carte a été mise à jour. Ok, parfait. Donc le village lointain, c'est fait. On voit par contre qu'il y a toujours ce foutu chemin en bas là que j'ai pas pu aller. Et je sais pas du tout comment on fait pour y aller. Ça m'énerve de vraiment pas savoir. Là, j'ai pas le pouvoir là pour y aller, c'est ça. Putain, là j'ai pas le pouvoir. Là il faut le pouvoir passer à travers les trucs là, le pouvoir, pouvoir noir ou un truc comme ça là. Donc là on peut pas y aller. Ok. Tac 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 tac. Est-ce qu'on peut aller où maintenant du coup? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ouais, il faudrait que j'aille à Verchemin. Faudrait que j'aille vers chemin, là, visiter toutes les falaises hurlantes, vers chemin, finir vers chemin, tous les trucs comme ça, là, je pense que c'est par là, la prochaine destination. Parce qu'après, sinon, dans l'ensemble, j'ai l'air d'avoir visité plus ou moins, pas tout, mais une majorité des choses. Donc, je pense que le prochain endroit, on va le faire vers chemin, hein. Donc là, il faudrait que j'aille récupérer un coléoptère. Pour ça, il faudrait que je prenne le tramway. Ici, à la première station, et que je sorte dans l'enceinte du palais. Donc ici, la station, elle est par là-bas. Alors, on s'envoie comme ça, c'est pas grave, c'est pas mort. Donc, je suis en sens inverse, c'est pas bien ça. Par là. Alors, normalement, on devrait arriver à la station. Alors on avait dit première station, hein. Donc ici on est là. Et donc il faut que j'aille à l'enceinte du palais. Alors pour ça, juste il faut descendre par là. Nickel. Et passer. Non, évite. Ah, évite de tomber, de tomber 50 fois de touche. C'est quoi ça? Payer la dîme. Ouais, c'est quoi si j'ai tout? Maintenant, j'ai plus d'argent, donc.
Ah, peut-être un truc qui va sourire à force. Ah, ah là, c'est là où tu as acheté la carte. Ok. Donc. Par là. D'accord. Donc lui il est protégé, il a une couronne. L'enceinte du palais. C'est pas lui le roi d'Alonest, endormi là? La station cachée. Non, là-bas, il n'y a rien d'autre. On peut se mettre des deux côtés pour voyager. Allez, vers chemin. Alors, vers chemin. J'ai dit qu'il fallait que je descende. Que j'aille. Alors, on va faire déjà les falaises hurlantes. Alors, pour ça. Donc, falaises hurlantes. Monter par là-haut. Ici. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Par curiosité. Le lac et tout là, je sais pas trop, ça j'ai pas trop fait cette zone, non? Ah si, c'est là où j'avais fait le combat. Ça c'est bon, ça me parle. C'est là où j'avais affronté Ornette, je crois. Eh merde, je suis allé me jeter dessus. Alors, clac. C'est quoi tous les chemins mènent à Rome? C'est quoi les trucs bleus déjà sur la carte? Merde, les trucs bleus c'est quoi? Les cocons. Oh bof. Voilà, on peut passer par là. Là on va faire ça. Là on va l'éviter. Ça sert à rien d'aller faire des combats à la noix. Dégage. Donc là, c'est par ici. Eh merde! Un truc de pique, faut que je me prenne dans la gueule. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ce truc? On dirait une fleur ouverte, non? Par
curiosité, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais, le bout du monde, on peut pas y aller. Il en fallait 200 mètres d'essence là. Ces mots sont pour vous seuls, ces peines désolées, ces temps de sans fin, il n'existe aucun monde au-delà. Ceux qui sont assez fous pour traverser ce désert doivent payer un droit de passage et renoncer aux précieux esprits que ce royaume octroie. Oui, voilà. Journal d'un voyageur. Ça mène où ça? On est où là? Il y a encore un chemin juste là? Faut arrêter avec les chemins, les gars. Qu'est-ce que c'est ce daube? La dépouille d'une grosse bestiole. Jure-le! Ça avait l'air hideux. Hideux. C'est là où je m'en vais, le truc qui me court après, tu Le Yeti. Est-ce que du coup ça a fait disparaître tous les trucs là? Ah, ça va manquer du coup si ça continue de briller, je pense. Ah, merde. On va essayer de finir déjà de récupérer toutes les essences. Ça monte bien haut. Tiens, on manque, non? D'ailleurs, il a tout récupéré du coup. Que ça ne brille plus. Ah! Et là, alors avant ça, on va les visiter. On avait vu qu'il y avait un chemin là qui partait par là, mais que je n'avais pas complètement visité. Merde! On dirait que ça monte là-haut, non? C'est bizarre.
mec est allé se suicider tout seul. Ok, bah, va mourir, hein, c'est ce que je te dis. Ah, t'as encore des trucs de cocon, des machines comme ça, non? Bah, sans choix des. C'est joli en tout cas. C'est magnifique. Ok, c'est la bénédiction de Johnny. Oh putain, 4! Béni par Johnny, l'hérétique bienveillant transforme les fluides vitaux en sang de vie bleue. Son porteur aura un corps plus sain, pourra subir plus de dégâts, mais ne pourra pas se soigner en canalisant l'âme. Ah ouais, c'est un double tranchant, quoi. Je ne me souviens pas vous l'avoir donné, mais ces derniers temps, ma mémoire me fait défaut. Ouais, je reconnais que c'est pas mal quand même pour dormir ici. Hein. Je suis d'accord avec toi, mon pote. C'est magnifique, sincèrement, l'endroit pour moi, c'est le plus bel endroit du jeu. De tout ce que j'ai pu visiter, franchement, avec cette lumière, ces papillons et tout, non, franchement. Ça confirme ce que je pense réellement du jeu, que je trouve magnifique. Ça va juste à faire demi-tour. Ok. Alors, du coup, on avait dit aller par là, aller par là. Clac, on va remonter. Par ici, par là. Ici, là, là et là. Ok. Eh merde! Toujours je me prends un truc à la gueule. Oh, c'est beau ça! Attends, on va soigner la vie avant de finir ça. Voilà, parfait. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Là ici, on doit avoir un banc, je pense. Un truc pour se reposer. Parfait. Go name, chulo. C'est bien, on voit des genres de dès qu'on utilise l'aiguillon des rêves, ce qui est bien, c'est qu'on voit ce qu'il pense quoi, réellement. Alors, par contre, ce que j'avais pas tant visité, c'était la partie un peu en haut, on dirait, non? Ou du moins, c'est juste qu'on peut pas y aller et ça paraît ça, quoi. Ok. Bon, là, si je tombe, je retourne dans la ville, non? Ça, je crois que je retourne dans la ville. C'est quoi ça? Ouais, c'est pareil, je retourne dans la ville, la place du roi, la ville et tout le toutim quoi. Salut!
pas le temps. Adieu. Non, je rigole. Bon, mais du coup, on va s'arrêter là donc pour cet épisode. Nous voilà revenus donc au point de départ. On a éliminé donc un rêveur supplémentaire. On a récupéré pas mal de choses. On a continué à visiter un peu les zones. Voilà, en essayant de fignoler, on va dire, les petits bouts de cartes qui nous manquaient à faire. Vraiment, voilà, pour découvrir un peu ce qui nous attend. Il nous manque toujours le fameux pouvoir ici où il y a la flèche d'en haut là pour pouvoir passer à travers et continuer la zone là. Mais bon, ça, je pense qu'il va falloir continuer à avancer. Alors peut-être par là ou par là, dans cette zone là, peut-être peut-être par là, il faut vraiment qu'on y aille un jour ou l'autre. Ou peut-être également par ici, là on voit qu'il y a deux chemins ici et là qui semblent non terminés comme ici. Voilà, du coup c'était quoi là, la frontière du royaume? Frontière du royaume, ouais, il faudrait que je prenne le coléoptère ici, ou alors le coléoptère là, ouais, ici, pour prendre le tramway, clac clac, remonter. Ouais. Voilà, bon, on a fait plus ou moins le point de ce qu'on a fait, le point de ce qu'il faudra qu'on fasse. Voilà, ben du coup ça sera tout donc pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ben comme d'habitude, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve sur la chaîne pour la suite des aventures de Hollow Knight. Ciao, ciao.